Eric Dimaco, ancien footballeur professionnel vainqueur entre autres de la Ligue des Champions en 1993 avec l'OM, s'est présenté sur la scène de The Voice avec son groupe Osiris ce samedi 19 mars. Une rencontre qui n'a pas laissé indifférent le jury, en particulier Amel Bent, à jamais les premiers. C'est en effet inédit dans l'histoire de The Voice qu'un groupe de musique, Osiris, composé de 5 musiciens dont un chanteur, soit venu passer les auditions à l'aveugle du télécrochet de TF1. Je ne sais pas si on sera les meilleurs mais en tout cas on sera les premiers. Lance avant de monter sur scène Eric Dimaco, cofondateur en 2020 du groupe créé en hommage à Oasis. L'homme de 58 ans a passé une bonne partie de sa vie dans les stades plutôt que sur scène à jouer de la basse. La musique m'a toujours plu, m'a toujours attiré, donc j'ai commencé à apprendre à jouer de la basse en 1995, et j'ai assouvi un vieux fantasme finalement. Pour tenter de convaincre Amel Bent, Vianney, Marc Lavoine et Florent Pagny, Osiris a sans surprise choisi d'interpréter une chanson d'Oasis, Supersonic. Lors du passage du groupe, Florent Pagny assure à tort à ses camarades qu'il n'y a pas de musicien, tandis que Vianney, qui misait lui plutôt sur un duo, durant une bonne partie de la chanson, a deviné dans les tout derniers instants ce qu'il se cachait derrière lui, c'est un groupe de Zixa. Mais malgré l'engouement du jury, aucun membre de ce dernier n'a appuyé sur son buzzer pour Osiris. Toutefois, la présence d'Eric Dimaco a suscité de nombreuses réactions. Dès le retournement des sièges, Florent Pagny a perçu une grande surprise sur le visage d'Amel Bent et lui a demandé « Tu le connais ?» Ce à quoi elle a répondu « Je ne sais pas, c'est un visage familier ?» De son côté, Marc Lavoine a tout de suite reconnu l'ancien footballeur « Vous êtes de Marseille vous ?» avant de dévoiler à ses camarades que c'est un grand joueur de football. Ainsi, Amel Bent s'est gentiment écharpé avec Eric Dimaco, « Mon mari est marseillais, il regarde l'équipe et je pense que je vous ai déjà vu parler. Mais moi je suis PSG, attention faites gaffe !» Loin d'avoir sa langue dans sa poche, celui qui est aujourd'hui consultant pour RMC rétorque, « Personne n'est parfait !» Avant qu'Osiris ne quitte le plateau, Marc Lavoine insiste pour qu'Eric Dimaco partage son palmarès. Et lorsqu'Amel Bent apprend que le bassiste a remporté la Ligue des Champions avec l'OM en 1993, la chanteuse est devenue bouche bée, mais non. Mon mari va me tuer. De leur côté, c'est sans regret que les membres d'Osiris quittent The Voice, c'est un kiff. J'ai pris un shoot d'adrénaline, conclut alors Eric Dimaco entouré de sa bande.